polar speeds, we're just able to stay ahead of the light air. So it's important that we sail well now and stay in front of the light air. You can see it, the light air just behind us. Voilà, situation un peu tendue. On est en train d'essayer de se faufiler entre deux hautes pressions, c'est-à-dire deux zones avec vraiment pas de vent, qui vont se rejoindre à un moment ou à un autre. Donc il faut qu'on arrive à passer cet espace avant de complètement tomber dans un trou de vent où on va y rester très longtemps. Et c'est pas évident parce que le vent est en train de tomber un peu plus vite que prévu. Donc on essaye de faire avancer au mieux Groupama dans le tout petit temps et gagner le sud et passer cette porte. Voilà. Donc une situation un petit peu délicate, demande plus de concentration, matossage des poids sur l'avant. Je vais voir les trois génaqueurs positionnés sur le petit filet. Les voiles d'avant d'été également avancées, trinquette et ORC. Gagner en longueur flottaison. Ah, Loïc, petite inspection du matin. Exactement, Jaco, la petite inspection du matin. Je fais le tour des bras, des boulons, des fissures qu'on a vues pour voir s'ils n'ont pas évolué, tout ce qui touche à la structure du bateau, quoi, pour voir s'il n'y a rien qui bouge, si tout fonctionne. Des espèces de pétrels juste devant l'étrave. Incroyable. Ils jouent au canard. Ils jouent au canard. Premier albatros qui nous montre la route du sud.